Ura kashinji bite. Yinana kararun. Ushinjibriandita. Waha hu uhia. Neshin shenjegawa. Kotinu. Borakat. And then the quotidi or quatandian. Wa. Aho. Unje. Shumiyaboa. Who are here? Cher Ticker, merci de m'avoir amené ici, sur la planète Hera, et de m'avoir présenté les différentes colonies. J'ai des questions à poser de la part des membres de l'équipe au sol Ukolo. Merci, c'est bon d'être ici avec vous tous. C'est toujours un plaisir de venir ici. Quelles questions souhaites-tu me poser ? Je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir quand la réunion avec le gouvernement commencera. Elle va commencer en novembre. Elle devait à l'origine commencer le 22 novembre, mais ils l'ont déplacée un peu plus tôt au 20 novembre. Je crois comprendre qu'il se rapproche encore plus de maintenant, donc les réunions galactiques et toute votre participation seront autorisées et vont commencer le 20 novembre 2021. Ce sera donc un bon moment pour vous tous pour que vous apportiez votre sagesse à cette réunion, vos informations, vos compréhensions et les choses dont vous avez besoin. As-tu d'autres questions ? J'ai une question de la part de Michel. Une question à propos de la zone 53. Y a-t-il quelque chose de nouveau à propos de la réunion avec les conjoints outre-espace ? Oui, je comprends. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Ils ont arrêté tous les types d'activités sur la zone 53
Parce qu'il voulait avoir une autre réunion en octobre de votre continuum temporel. Cette réunion vient de se terminer au cours des 5 derniers jours et ils ont décidé de continuer de travailler sur la zone 53 et il pourrait y avoir des changements. C'était une réunion à huis clos au début, les deux premières heures de celle-ci étant réservées uniquement aux humains, puis ils l'ont ouvert à d'autres espèces et à d'autres personnes pour parler après cela, et cela a duré encore 3 heures. Ce qui a donc été compris, c'est qu'ils vont continuer à avancer. Ils ont intégralement écouté les demandes de tous les peuples qui ont transmis quelque chose. Ils ont également écouté et regardé toutes les demandes du point de vue extraterrestre et ils vont modifier le protocole de la zone 53 pour ne pas être si clinique, si médical. Cela signifie qu'au début, ils voulaient amener des gens là-bas pour ensuite procéder sur eux à une analyse ou un examen ou plusieurs différentes choses telles que des scans mentaux ou autres. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire à la place de cela. Ils ne veulent pas abandonner complètement cette idée, mais ils ont dit qu'ils modifieraient ce protocole pour qu'il ne soit pas aussi intrusif. Actuellement, nous n'avons vu encore aucune action depuis la réunion dans la zone 53, mais je suis sûr que cela recommencera bientôt. J'ai une autre question de Michel. Quels moyens de transport les conjoints utiliseront-ils pour se rendre dans la zone 53? Cela dépend de qui il s'agit. Certains viendront en se téléportant. Certains devront être autorisés à entrer dans la zone et d'autres le feront autrement parce qu'il y a différents moyens tels que des chambres à oxygène et des lieux aménagés pour différentes espèces. Il y a plusieurs espèces différentes qui pourront utiliser ces zones alors que d'autres devront porter leur combinaison pour se protéger. Mais je pense que la téléportation est probablement la manière qu'ils utiliseront, mais je ne les ai pas encore entendus parler de ce sujet. J'ai une question de Marc. Peux-tu me dire le nombre de personnes actuellement tirées au sort pour les créneaux de la zone 53 et également le nombre d'établissements similaires à travers le monde? Il y aura 6 établissements dans le monde. Pour ceux qui ont des conjoints aux États-Unis, il y aura une zone 53 dans ce pays. Il y en aura une en Russie. Il y aura une zone australienne. Il n'y aura pas de zone en Chine car ils l'ont interdit. Il y aura une zone en Allemagne, en Europe. Il y aura une zone anglaise et une au Canada. Actuellement, l'Amérique du Sud et l'Afrique ne sont pas encore impliqués dans ce projet parce qu'ils ne sont pas aussi avancés. Ils ont des zones où ils pourraient construire des bâtiments, mais ils n'ont pas décidé de le faire car c'est une dépense assez importante pour les gouvernements. L'Afrique et l'Amérique du Sud ne sont pas nécessairement des continents très riches et ils hésitent à le faire. Mais ils veulent voir comment cela fonctionne avec les autres sites et ensuite ils décideront s'ils le feront ou non. J'ai une seconde question de Marc. Combien d'humains seront sur la liste ou sur les créneaux pour la zone 53 une fois que celle-ci sera terminée? Ils sont tous sur la liste, tous ceux qui ont exprimé leur intérêt pour cela. Toute personne qui a exprimé de l'intérêt sera sur la liste. Il y en a qui ont annoncé qu'ils allaient boycotter et donc ils ont été retirés de la liste. Mais je dirais qu'aux États-Unis, il y en a au moins 40 sur la liste. J'ai une question de David. Y a-t-il un message spécifique à entendre qui serait bon pour lui et le collectif humain en général? En ce moment, pour chaque individu, il se passe beaucoup de choses. Il semble que vous êtes nombreux à éprouver une grande pression sur votre compréhension et sur votre existence. Une plus grande tension, une plus grande négativité semble se faire jour. Tout le monde semble être un peu plus tendu, un peu plus anxieux. C'est ce qui est en train d'arriver, mais le divin s'occupera de tout cela. Concernant vos peuples, en effet, il y a des choses à l'horizon qui ont toujours l'air négatives. Beaucoup de ces choses ont déjà eu lieu, comme en Afghanistan, et les tempêtes qui ont tué des gens, ainsi que les tremblements de terre. En ce moment, il y a au moins 100 volcans actifs autour de votre planète,
Et c'est bien plus que ce que nous avons déjà vu sur Terre depuis très très longtemps. Vous n'en entendez peut-être pas parler parce qu'ils se produisent dans des régions tropicales du Pacifique et de l'Atlantique qui ne sont pas surveillées. Il y a donc beaucoup de volcans en activité autour de votre planète en ce moment, et cela nous renseigne que c'est un problème grave, en plus des tremblements de terre qui accompagnent cette activité volcanique. Parfois, à la place des éruptions, nous observons une importante activité sismique. C'est que les tremblements de terre accompagnent dans une certaine mesure les éruptions volcaniques. Non pas qu'ils soient très forts, mais comme leur magma se déplace à travers ces volcans, ils provoquent des secousses. Alors que quand ce mouvement est contenu, ce sont les plaques tectoniques qui se déplacent, et c'est alors que vous obtenez des tremblements de terre, et il y en a beaucoup plus également. Ai-je répondu à ta question? J'ai une question de Suzanne. Elle se demandait s'il y avait actuellement des influences extraterrestres particulières sur la Terre ou sur les humains. La réponse est oui. Il y a toujours eu des influences extraterrestres. Certains d'entre eux ont été très positifs et d'autres moins. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de positivité de notre part et en provenance de nombreuses ligues de lumière et de régions galactiques positives. Mais il existe également des interférences négatives. Vous avez donc des énergies spécifiques sur Terre parce que vous faites partie d'un système basé sur le principe du libre arbitre. Ceux qui sont là sont autorisés à entrer en raison d'une décision du gouvernement galactique. Certaines espèces négatives n'étaient pas autorisées à pénétrer dans le système du fait qu'elles étaient considérées comme négatives. Mais il a été décidé que jusqu'à ce qu'elles fassent quelque chose de négatif, elles sont autorisées à se trouver dans le système solaire. Elles peuvent donc exercer une influence très négative sans que nous le sachions. C'est quelque chose qui a été compris par le gouvernement galactique, que leur libre arbitre était interrompu parce qu'ils étaient considérés comme négatifs par les espèces qui surveillaient le système solaire. Le gouvernement galactique a donc statué en leur faveur. J'ai une autre question de Suzanne. Elle pense que tout le monde ressent cette tension d'une certaine façon, et peut-être que cela s'ajoute à l'influence des planètes. Elle dit qu'il semble y avoir un stress croissant dans la population et une perception, pas nécessairement de négativité, mais de problèmes qui apparaissent et qui nous concernent tous. Oui, cela semble s'accroître tout autour de chacun. C'est probablement la période la plus stressante sur votre planète que je n'ai jamais vue. Il y a beaucoup de divisions avec des familles qui se battent entre elles, des amis qui se battent entre eux. Il y a une division dans la compréhension et la connaissance se diffusant sur beaucoup, beaucoup de choses et des théories du complot. Ce que vous croyez au sujet de ces théories, cela est votre propre affaire. Mais sachez que beaucoup d'entre elles ne sont pas vraies et beaucoup d'entre elles sont destructrices. J'ai une question de Shir. Au sujet des rencontres entre époux galactiques, tu as dit que le gouvernement avait des problèmes en raison du financement de ces établissements, des 6 établissements. Penses-tu que si des conjoints d'outre-espace, dont certains sont très riches, pouvaient faire des échanges avec des valeurs telles que l'or pour créer ces établissements, ce serait peut-être plus lucratif pour les gouvernements? Ainsi, ils pourraient suivre le rythme et créer de nouvelles installations du type des zones 53. Oui, comme tu l'as évoqué, ils vont se pencher sur la question. Je suis sûr qu'ils en ont discuté, mais ils n'ont pour l'instant demandé à personne de donner quoi que ce soit. La raison de cela est qu'ils financent ces installations eux-mêmes afin de pouvoir y faire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un d'autre les finançait, il faudrait alors prendre en compte leurs idées également. Pour les zones d'Amérique du Sud et d'Afrique, ce genre de financement serait sans doute le plus approprié, mais cela donnerait aux financeurs une influence sur le processus de fonctionnement de ces établissements. Étant donné qu'ils auraient apporté l'argent, ce seraient leurs règles et leurs règlements qui seraient appliqués, et non celles des gouvernements. J'ai une question de Veritas. Lorsque le tsunami de la Palma frappera New York,
La réinitialisation globale de l'économie suivra-t-elle immédiatement? Non. La cabale maintiendra l'économie à flot parce qu'elle en a encore besoin pour le moment. Ils ne sont pas tout à fait prêts à conquérir le monde, parce que lorsque l'économie s'effondrera, ce sera toutes les économies, pas seulement une seule, qui s'effondrera, et cela produira un effet domino. Si deux grandes économies s'effondrent en même temps, alors vous pouvez être sûr que beaucoup d'autres suivront. Je ne peux vous donner trop d'informations à ce sujet, car nous ne voyons qu'un avenir probable et non un avenir clair et définitif. Nous voyons qu'à ce stade, l'économie ne s'effondrera pas encore. J'ai une question de Camille et de quelques autres personnes. Quel est le but des zones 53? Les zones 53 sont les zones dont j'ai parlé et qui sont en train d'être créées dans le but de faire venir des conjoints extraterrestres sur la planète. Il y a plusieurs centaines de mariages dans l'astral entre des extraterrestres et des humains, entre espèces extraterrestres entre elles, etc. À un certain moment, des humains ont décidé qu'ils voulaient rencontrer leurs conjoints, parce qu'ils estimaient que les fréquenter dans l'astral n'était pas suffisant. Déjà au temps des Mayas, les rois Mayas parmi les plus éminents tels que Tosca et Quaya ont souhaité être capables de voir leurs conjoints en personne et ont demandé un endroit sur Terre où ils pourraient leur rendre visite. Cela a été approuvé à ce stade et c'est pourquoi ces zones 53 sont en train d'être construites, afin de permettre les rencontres entre conjoints. Cependant, laissez-moi vous dire pourquoi cela a été approuvé. Parce que les gouvernements veulent analyser ces extraterrestres. Ils veulent les analyser et en savoir plus à leur sujet. Cela peut être pour des raisons positives et négatives. Et c'est pour cela que certaines personnes n'iront pas dans les zones 53, parce qu'elles estiment que ce n'est pas une chose positive. Ce n'est donc pas une seule zone, mais plusieurs zones, si je comprends bien. Une zone 53 est une zone dont le type est 53. Oui, c'est la même chose. C'est une zone de rencontre pour les époux galactiques. Un endroit où les humains peuvent rencontrer leur époux non humain en dehors de leur densité énergétique d'origine. Ces rencontres seront totalement discrètes et privées, et personne dans le monde ne pourra les trouver. Elles auront lieu dans des endroits que personne ne connaît. J'ai une question de Richard. Combien de personnes sont inscrites sur les listes dont tu parles, notamment originaires du Canada? Le Canada a sa propre zone 53, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Ils sont sur le point d'avoir leur propre endroit, et sur cette liste, il y a 30 ou 33 personnes qui ont accepté de s'inscrire sur la liste. J'ai une question, mais qui est plus en fait un commentaire, de Curious Light Channeler. Il se demandait pourquoi ne pas faire le premier contact avec l'humanité à travers une fête dansante. Pourquoi ne pas survoler tous les continents avec des vaisseaux spatiaux, en formant des signaux de paix, avec des visages souriants et en jouant de la musique terrestre fun? Ce serait une bonne idée? Beaucoup de choses de ce genre ont été envisagées. Mais alors, les extraterrestres seraient-ils pris au sérieux? Ils veulent être pris au sérieux, mais ils ne veulent pas non plus être rejetés par la population. Alors, ils essaient de trouver des moyens de faire partie de votre monde qui ne soit pas effrayant. Voilà ce qui se passe. Ils s'intègrent lentement sur votre planète, ce qui signifie que ceux qui sont dans les royaumes de l'intra-terre commencent à sortir. Il existe de nombreux extraterrestres sur la planète. Parmi les extraterrestres présents sur la planète, nombreux sont ceux ayant acquis le droit depuis le début de la quarantaine d'emprunter réellement des personnages humains. Ils finiront par montrer aux gens qui ils sont vraiment. Certains le font déjà. Il y a des gens qui voient des extraterrestres parce que leurs amis très proches leur révèlent qu'ils sont de véritables extraterrestres.
Ils n'arrivent pas à y croire et leur étonnement est maximal. Mais ces extraterrestres les mettent en garde. Nous vous le révélons aujourd'hui afin que vous n'ayez pas peur par la suite. Mais ce n'est pas encore le moment pour nous de nous révéler au monde. Alors pour l'instant, s'il vous plaît, gardez cela pour vous. J'ai une question de Trinity Morgan. La Terre est-elle sur une ligne de temps plus négative maintenant? Si oui, l'échéance du premier contact planétaire a-t-elle été repoussée à beaucoup plus tard? Non, cela y ressemble, mais ce n'est pas le cas. Tout est juste. C'est ainsi que les choses doivent se passer. En effet, les événements sont difficiles en ce moment. Mais ce n'est pas une ligne de temps différente. Toutes les lignes de temps expérimentent la même problématique. Donc, vous comprendrez que le dénouement sera identique, que les choses finiront par arriver, quelle que soit la négativité des lignes de temps. Cela ne repoussera donc pas la date du premier contact. En fait, cela contribuera à conscientiser davantage les gens au premier contact. Je ne peux pas vous dire comment cela se fera, mais que cela finira par se faire. J'ai une question de Sean. Comment puis-je figurer sur la liste de la zone 53? Je pense qu'il y est déjà. Ceci est déterminé dans l'astral quand vous visitez l'astral. Les personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles ont souhaité depuis le plan terrestre donneront certainement leur permission ou leur refus dans l'astral. J'ai une autre question de Sean. Quand le moment de la rencontre arrivera, comment serons-nous prévenus? Ils n'ont pas encore décidé comment le faire, parce que cela doit être d'une façon très privée et très personnelle, mais pourtant très précise. C'est une chose difficile pour eux d'effectuer cela, mais je pense que cela se fera via vos téléphones portables. Peux-tu me dire en quoi consistent les réunions du gouvernement le 20 novembre prochain? Tu as sûrement, auparavant, entendu parler des réunions du gouvernement où on se réunit et beaucoup d'êtres viennent depuis l'astral pour donner leur avis, répondre à des questions, faire des discours ou quoi que ce soit motivant leur présence. Cela commence donc le 20 novembre 2021. Ceux d'entre vous qui prévoient d'y parler, préparez-vous dès maintenant. Beaucoup d'entre vous se préparent dans l'astral sans que vous ne sachiez, même pas dans votre troisième densité, de quoi vous allez parler. Mais quand vous serez là-bas, cela coulera de source. Vous pouvez participer autant que vous voulez. Cela va durer au moins 10 jours. Récemment, cela avait duré 12 jours. Mais tout le monde ne s'y rend pas tous les jours, bien sûr. Même les représentants officiels du gouvernement effectuent des changements dans la participation, car tous ces représentants gouvernementaux ne peuvent pas être présents aux réunions en même temps parce qu'ils doivent faire d'autres choses urgentes dans le cadre de leur travail ou responsabilité. Cela se passera donc sur le plan physique et non sur le plan astral, c'est exact? Cela se passera sur le plan physique, dans la densité d'existence humaine et avec les gouvernements. Mais pour les humains qui sont là, pour donner leurs opinions, cela se passera dans l'astral. Ils pourront néanmoins être vus parce que les autres espèces rendront cela possible. Certaines personnes se demandent s'ils ont des conjoints dans l'astral car ils se sentent fatigués au réveil. Comment peut-on savoir si nous avons un époux galactique dans l'astral? Le fait est que vous finirez par savoir si vous avez un conjoint dans l'astral parce qu'ils se feront connaître de vous. Toutes les personnes qui connaissent leur conjoint galactique, c'est parce qu'en fait ces conjoints sont venus à eux d'une manière ou d'une autre. Ils trouveront un moyen de vous joindre pour vous faire prendre conscience d'eux. En effet, vous pouvez être fatigué lorsque vous vous réveillez de l'astral, parce que vous avez pu faire beaucoup de travail sur ce plan, sans nécessairement pour cela que vous vous soyez battu avec votre conjoint ou que vous ayez eu des relations sexuelles ou quoi que ce soit de cette nature.
Mais il est certain que vous faites bien des choses sur le plan astral. Pour ces personnes, je peux vérifier, mais il est possible que leur conjoint n'ait pas encore trouvé le moyen de les contacter. J'ai une question de Karen. Dirais-tu, Ticker, que la majorité des gens ont des conjoints dans l'astral? Non. La majorité des gens n'ont pas de conjoint dans l'astral. C'est quelque chose d'assez récent, qui a débuté dans les années 70 et peut-être un peu dans les années 60. Mais ce n'était pas une chose populaire à annoncer ou à faire jusque dans les années 2000. J'ai une question de Richard. Peux-tu lui dire de quoi il parle dans l'astral lors des réunions avec les gouvernements? Il parle de la liberté de l'espace. Il parle également de son souhait de voir les époux galactiques venir sur Terre, du premier contact, et aussi d'autres sujets faisant partie de son processus de réflexion. Les accords commerciaux font aussi partie de l'une des choses dont il parle. Cela dépend du sujet de la réunion, et en général, quel que soit le sujet, il a quelque chose à dire. J'ai une question de Trinity. Concernant les futures réunions de conjoints dans la zone 53, comment des conjoints qui respirent un air différent et sont de dimensions différentes peuvent-ils être intimes dans ces réunions comme cela est mentionné? Ils vont créer un espace pour vous. Ils travaillent encore là-dessus parce qu'il y a des êtres dans les dimensions qui n'appréhendent pas la composition des énergies atmosphériques terrestres. Il y a cependant un appareil que les extraterrestres peuvent placer sur leur nez qui leur apporte leur propre oxygène et atmosphère et leur permettent de vivre dans l'atmosphère des humains. Actuellement, il y a des difficultés avec certaines espèces qui n'ont pas la possibilité que leur corps entre en contact avec l'air respirable par les humains. Ceci parce que cela peut endommager leur peau ou leur donner des sensations extrêmes de chaleur, de froid ou autre. Ils travaillent donc avec ce genre de compromis atmosphérique afin que les humains et les extraterrestres puissent se trouver, le cas échéant, ensemble dans la même pièce. J'ai une question de Richard. Il aimerait savoir si le contact aura lieu avant 2023 ou 2024. C'est l'un des futurs inconnus et c'est un problème. C'est un futur probable que d'ici 2024 ou 2025, beaucoup d'extraterrestres seront connus sur Terre et déclareront qu'ils sont extraterrestres. J'ai une autre question de Richard. Au sujet de la zone 53, il aimerait savoir s'il est sur la liste et il dit préférer que des agents secrets de la zone 53 viennent chez lui pour qu'ils puissent sentir s'ils sont légitimes, car il dit ne pas faire confiance à un simple texto transmis sur son portable. Eh bien, je ne pense pas qu'ils vont vous envoyer un texto. Ce sera quelque chose de plus convaincant que cela. Je pense que ce qui se passera est que votre conjoint galactique apparaîtra sur votre téléphone, mais ce n'est qu'une supposition des nombreux scénarios différents pour prendre contact, et je ne sais pas sur quel scénario ils vont s'entendre, mais celui-ci était plutôt intéressant. J'ai une question de Karen pour finir. Est-ce que les armes de densité 3 peuvent nuire aux densités 4 et supérieures? Non, les armes de troisième dimension ne font que nuire en troisième dimension. Cependant, vos peuples dans votre densité possèdent de puissantes armes de la quatrième dimension parce qu'elles leur ont été données par des reptiliens, des insectoïdes et des grilles dans le passé. Celles-ci peuvent donc affecter la quatrième dimension et endommager les vaisseaux parce qu'elles détiennent la technologie de cette dimension 4. Ils éprouvent de la difficulté néanmoins à œuvrer avec ces armes car ils doivent mettre des contrôles de troisième dimension sur des objets de quatrième dimension et c'est presque trop pour eux parfois. Ils ont quand même appris à le faire suffisamment bien pour causer des dommages. Je te remercie du fond du cœur, Ticker, pour toutes ces réponses que tu nous apportes. Puissions-nous travailler en commun, toi et toute l'Alliance Galactique, et rejoindre prochainement
la fédération des planètes unies au service du Créateur infini. Que la force soit avec nous. Nous sommes tous un.